Moselle, le corps d'un homme retrouvé dans une malle, un couple écroué pour meurtre. Les propriétaires de la maison où a été retrouvé le corps ont été mis en examen pour meurtre. L'autopsie a conclu à une mort violente. Un couple habitant à Gondrexange, en Moselle, a été mis en examen pour meurtre, recel de cadavre et atteinte à l'intégrité d'un cadavre et placé en détention provisoire ce samedi après-midi. A appris le Figaro auprès du parquet de Metz, qui a ouvert une information judiciaire. Mercredi 20 décembre, les pompiers étaient intervenus à leur domicile pour éteindre un début d'incendie et avaient découvert une malle métallique renfermant un cadavre. À ce stade, la victime n'a pas encore pu être identifiée, mais les examens médico-légaux ont permis de déterminer qu'il s'agissait d'un homme relativement jeune. Le rapport d'autopsie a conclu à une mort violente et non accidentelle, sans en définir la cause exacte. Des compléments d'analyse doivent avoir lieu, souligne le parquet. Interrogés par les gendarmes durant leurs 48 heures de garde à vue, l'homme de 49 ans et son épouse de 35 ans ont donné peu d'explications sur la présence du cadavre à leur domicile, précise le parquet. Qui est la victime Depuis quand était-elle chez eux et pour quelles raisons Reste à savoir si le couple, inconnu de la justice, se livrera davantage face au juge d'instruction. Leurs deux enfants ont fait l'objet d'un placement provisoire.